Je réduisais ma peau. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un est brûlé, là, tu vois qu'il y a du blanc en dessous. Ce n'est pas le produit qui te rend blanc, mais c'est la peau qui est en train de s'enlever. Pour que la peau qui est en dessous se voit maintenant. Alors, comment on a offert la Bible à moi dans Jérémie 13, verset 23. Un jour, je lisais la Bible et j'ai vu dans Jérémie 13, 23. Au cas où ça me donne. Et comme quelqu'un qui me parlait sévèrement. Et m'a dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un léopard peut changer la couleur de sa peau? Et c'est là que j'ai commencé la repentance et j'ai pleuré. Beaucoup. Et moi, je disais, Seigneur, ah, donc je suis Éthiopien, je suis un léopard. J'ai corrigé le Seigneur qui m'a donné la peau qu'il m'a donnée. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, je disais à Dieu, maintenant, moi, je suis belle seulement quand j'ai les têtes claires. Comment je ferai quand je redeviendrai quoi? Les gens, qu'est-ce que les gens diront de moi? Parce que moi, je pensais que je pouvais aider Dieu. Donc, pour que les gens se convertissent, ils doivent toujours me voir comme la charoufa qu'ils avaient connue. Oh, ce n'est pas comme ça. Il fallait qu'il brise. Il fallait que Dieu me brise. Et Dieu m'a dit, Jean-Baptiste était dans le désert. Et les gens quittaient la ville pour aller dans le désert pour l'écouter. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas si tu restes dans ce qu'on appelait religion qui t'aime que les gens vont suivre. Tu vas avoir l'idolâtrie au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alors, on a fait la repentance. Et j'ai fait la repentance. Comme Dieu m'a créé comme ça, les gens doivent me voir comme ça. Alors je disais à Dieu, je suis encore un peu de teint clair, mais Seigneur, réduis tout que je redevienne noir. Alléluia. Amen. Pour Barbie, le baissage vaut mieux que les sacrifices. Avec le prix que Jésus a payé à la croix, nous avons beaucoup de choses que nous devons donc laisser tomber. Alléluia. Amen. Ah, parce que les gens disent que la punition est finie. Moi-même, j'ai chanté ça, c'est dans Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus d'ordre de condamnation. Nous nous limitons toujours à dire, donc maintenant il n'y a plus de condamnation. À celui qui est à Christ. Pour celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que nous ajoutons. Mais à Balobi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.